Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Binding of Isaac Afterbirth. Aujourd'hui, nous sommes de retour pour une petite daily run, les amis. Et une daily run, on va jouer Judas et on sera une licorne, visiblement. Non, on va pas être une licorne. On va pas du tout être une licorne, calmez-vous. Et on est parti, alors on va espérer avoir des items qui nous font grave kiffer nos races, hein, comme disent des gens. Mais alors qui, je ne sais pas. J'ai utilisé le book pour une raison très simple, c'est que ça coûte rien. C'est le début de la partie, c'est pas très coûteux d'utiliser le livre. Et ça nous sécurise face à des ennemis qui se déplacent vite et qui peuvent peut-être nous faire un peu chier en nous tapant sur la gueule, ce qui nous embêterait. Après, c'était pas nécessaire vraiment, hein, mais voyez, ça remonte vite. Enfin, on l'a déjà récupéré notre livre, donc je suis pas trop inquiet là-dessus. Et direction le boss. Ok, Little Horn, boss relativement simple, tant qu'on se fait pas brainer. Ah, ça c'est la partie que j'aime pas, quand il nous met des grosses bombes sticky. La grosse bombe sticky, enfin sticky, qui te fonce dessus quoi. Hop là, allez, téléporte-toi sur tes bombes. Ah voilà, mais elle t'a pas tué, elles te font plus mal que ça d'habitude tes propres bombes. Ok, et on gagne un HP up, ma foi, qui n'est pas de trop, parce qu'on a un petit peu un cœur, et un cœur, c'est peu, donc si on peut en avoir plus, c'est bien. Ok, on peut pas aller ici, très bien, bonne journée, au revoir. Bonjour, je viens à la recherche de... d'enjaillement. Hop là. L'enjaillement doit être réel, s'il vous plaît. Non mais c'est atroce comme ça, elle est toute fine, toute machin, et il faut quand même réussir à choper des ennemis qui te balancent des araignées sur la gueule et qui ont quand même pas mal de PV. Cracked Dice, je sais plus comment il fonctionne. Non, c'est pas du tout. Non, je le confonds avec un autre truc, moi. On n'a pas de clé, les gars. Vous pouvez nous looter une clé? Deux clés, d'ailleurs, parce que j'aimerais bien aller au shop aussi. C'est une clé, ça? C'est pas une clé, ça. Allez, faites pas vos putes. Ah, et une bombe aussi. Il me faut une bombe. D'ailleurs, je préfère la bombe à la clé. Non, parce que j'ai réfléchi avec mes copains. Et on a voté. Et on préfère la bombe à la clé. Hop. Non, vas-y, crève. Voilà. Allez, les petits anus. Allez, allez. Merci. Alors là, il n'y a ni bombe ni clé. Je crois qu'on va pas s'entendre. Non, parce que si je veux garder mes Devil Deal, mes chances de Devil Deal. Vas-y, fonce-moi dessus. Il faut. Wow. Wow. Il faut qu'on ait bombe et clé. Hop là. Et alors là, on va faire ce truc un peu misérable du... Oh, le cœur bleu. De je cherche dans le caca des bombes et des clés. Alors c'est misérable, ça fait pitié, mais bon, c'est important pour la biodiversité, mesdames et messieurs, pour la biodiversité. Ok. Allez, on décède. Allez, allez, allez. Wow, 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 wow. Et alors c'est un cœur rouge. C'est pas pour dire que je m'emmerde, mais ah, un petit peu. Un petit peu. La super secret. Non, la secret, pardon, n'est pas ici. Elle est nulle part, la secret room. Oh, tu me donnes des bombes, toi. Sur un malentendu. Eh, hey, t'as failli me mettre des dégâts. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas perdu de vie face à lui. J'ai tellement pas envie que ça arrive. Eh, mais faut bien s'aligner entre les bombes et ses tirs à lui. Ok, il y a une bombe et Strength. J'aime le Call of the Force. J'aime ma voile de la force. Ok, donc, on a récupéré une bombe. Avec un peu de chance, la bombe va nous donner une clé qui va nous donner un code secret vers une porte qui nous permettra d'ouvrir un chemin vers l'infini et au-delà. Non. Voilà, une autre bombe. Du coup, je sais pas ce que je veux, hein. Si je tentais la super secret ici, non, ça a aucune valeur. Ça a aucune... Merde, on est en daily run. Eh hey, oh les gars, il faut accélérer. Il faut accélérer, j'avais oublié ce détail de ma vie. J'étais en train de jouer la run la plus lente du monde, hein, mais normal, genre sans pression, tu sais, ça m'allait. Et là je réalise, bon on avait 4 minutes, ça va, on n'a pas perdu trop de temps, mais on est quand même en 4 minutes assez large tout, ce qui est plutôt lent pour un Judas. Pour une performance Judas, c'est pas ouf. Mais là c'est un boss très rapide, surtout avec les dégâts qu'on a. Quand on le boost et par contre on a perdu un peu de vie
C'est pas très très grave. Est-ce qu'on a un bon item? Oh putain, on n'a pas de bon item, on n'a pas d'item du tout. Ok, il a pas décidé de le faire tourner. Très bien. Ok, il a décidé de le faire tourner. Ok, il a pas décidé de le faire tourner. Il faut rester tout le temps complètement concentré, les amis, puisque c'est un ennemi de merde. Et un ennemi de merde qui va nous donner l'ump of... Il a changé les cailloux. Qui va nous donner l'ump of coal. C'est important. Merci. Ah là là, l'enculé. J'aurais dû utiliser ma carte de force, je pense, mais... Mais bon, passons. Donc vous aurez remarqué qu'on a récupéré, pouf, une clé qu'on va aller exploiter, merci Krampus, pour récupérer la Treasure Room qui, ma foi, ah, est pertinente. Alors non, mais il y a moyen qu'elle le devienne. Non. 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 Je sais pas ce que c'est. Je vais pas vous mentir, je sais pas ce que c'est. Oui. Je sais pas comment ça marche, cet item. J'ai oublié. Je crois que quand je me fais toucher, je change de mode, mais... Mais pour l'instant, ça me va. Pour l'instant, ça me va. Je sais que c'est un item sympa, quoi. Voilà, on a plein de dégâts. Tant que t'as plein de dégâts, t'es heureux. Alors, te plains pas, en général, quand t'as plein de dégâts. Hop. Il est où, le bonheur? Il est où? Il est là, le bonheur? Il est là? Ok, on a trouvé le bonheur, les amis. C'est... Notre Judas des familles. Le bonheur, c'est Judas. Waouh! Cette phrase complètement discutable. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Je salue le Poitou Charente. Ok, et j'ai toujours pas de clé. Car ma vie est nulle. Ne l'oublions pas. Bonjour, votre vie est-elle nulle? Oui? Eh bien, vous n'avez pas de clé. Allez, salut. Allez, donnez-moi une clé. Faites pas vos putes, donnez-moi une clé. Là, on n'est pas là pour jouer avec du range-up. Donnez-moi juste une clé. J'ai tellement peur de me faire toucher. C'est pas une clé, ça. Blanc rune. C'était quoi, ce délire? C'était quoi, ce délire? Le mec, il comprend pas ce qu'il fait. Il fait, oh, ouais, de toute façon, j'ai pas de clé, je m'en fous. Hop là. Je suis désolé, je vais devoir y aller, hein. Pas le temps, faut y aller, comme on dit chez nous. Hein. Elsep, très bien. Il y a moyen de pas se faire toucher là en plus. Il y a moyen de pas se faire toucher avec les dégâts que j'ai et l'ennemi que c'est. Et un énième HP up, les amis. Mais niveau dégâts, on est bien. Niveau dégâts, on est bien. À un moment, il faut être honnête. On n'a pas à se plaindre. Donc ça va. Là. Là, là, là. Allez, déplace-toi jusqu'à mon corps, baby. It's my soul, baby. Non. Like you. Ok, donc il me faut toujours des clés, les gars, sinon c'est la merde. On va jusqu'à où? Oh, on va jusqu'à Mom Earth, j'ai le stuff pour. Je vais pas vous mentir, j'ai le stuff pour. J'ai clairement le stuff pour. Y a pas de souci, là, on va finir. Après, évidemment, un meilleur stuff nous fera finir plus vite. Hein, on va pas être naïf non plus. Le but, c'est d'améliorer notre stuff. Mais... Hop là. Mais c'est pas nécessaire. Ouais, là, c'était une salle longue et risquée. J'ai pas eu envie. J'ai pas eu envie. J'avais le choix mais pas l'envie. Non, là j'ai pas de suite aux paroles, donc ça marche pas. Ah, merde, on a perdu nos chances de Devil Deal. Bon bah là on est plus à ça près, hein. Donc là on va pouvoir jouer. Ah merde, on a perdu notre état. On est plus la même personne. Oh non, il faut se refaire toucher. Trois fois genre. Là je sais pas ce qu'on a là. Un mauvais rhume. Alors là non plus. Vas-y, retape-moi. Et... Allez, toujours pas, c'est pas ce que je pensais. Hop là. Et là, ça a augmenté ma range. Ok. Alors, c'est mignon d'avoir de la range, mais j'ai pas les dégâts. Donc, Là, on s'interroge. Là, on se dit, comment vais-je faire pour récupérer mon dû? J'ai toujours pas de clé. Faut-il qu'il me retouche?
façon, j'ai pas de cœur, donc je vais pas trop faire le kéké là-dessus pour l'instant. J'ai toujours pas de clé. Hop là. Ok, vas-y. Allez, sors la langue. Allez, on sort la langue. Ok, un cœur, très bien. Oh non, pas lui. Lui, il m'énerve. Attends, il fait quoi, là? Ah ouais, non, il est pas encore en phase insane. Attends, là, il passe en phase un peu chiante. Après, il y a sa tête. Après, là, il saute, comme ça. Et il a ses doubles... Ok. Et là, je l'ai eu. Et j'ai eu le Devil Deal. À 12% de chance de l'avoir. Si ça, c'est pas du vol, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Et donc là, en passant à l'étage suivant, est-ce que genre tu fais, vas-y, je vais lui rendre les dégâts et tout, je vais lui remettre l'aura orange, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Alors mon aura est pas orange en fait. Je croyais, mais non. C'était une blague. J'ai pas mes dégâts. Et là, mon aura, elle est orange, connard. Hop là. Non, mais j'ai une clé. Génial, on progresse. On commence à comprendre le but du jeu, je crois. Oh, et une salle au trésor juste au moment où je chope une clé. Ah, là, on est orange. Mais on a moins de dégâts qu'avant en orange. Genre, je suis un peu déçu. Je suis en orange décevant. Et j'ai une carte de force décevante aussi. Hop là. Ok, merci. Donc, on est au mauvais endroit. On a récupéré une treasure room qui ne nous a pas intéressé. On a un double cœur qui traîne. On est à Def 1. Ok, j'ai pris des dégâts, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. On a encore changé de mode, quoi. Hop. Très bien. Hop. Ouh, cœur bleu. Waouh. La folie. J'avais limite oublié que ça existait, tellement on en avait pas. Une autre clé. Ah non, mais là, le jeu. Arrête. Arrête, le jeu, arrête. Ils vont croire qu'on est intime, là. Ils vont se dire, waouh, il se passe trop de trucs entre eux et tout. Calmons-nous, calmons-nous, calmons le jeu. Calmons le jeu. C'est long. Oh, double item. Double item. Possiblement un item de Krampus. Enfin, du Devil Deal obligatoire et possiblement un Devil Deal. Et on récupère Abaddon. Abaddon qui est très pertinent et qui va se cumuler avec Lord of the Pict. Un petit vaisselle. Et Abaddon. Voilà. Étage suivant. Ok, on est stuff. On est stuff, ça y est. Et je suis pas orange là. Hein. Si, peut-être, je sais pas. Ouais, mais j'en ai pas besoin de toute façon. Parce que... Ah oui, mais de toute façon, c'est pété peu importe la forme que j'ai. Parce que sinon, j'ai une cadence de tir monstrueuse. Je. Merde, c'est pas du tout ce que je voulais. Ok, donc il faudrait que j'aille très très vite au boss pour gagner du temps. On a pris beaucoup de temps. On est à 12 minutes déjà. C'est fou ce que le temps passe vite. Alors là, je suis devenu invulnérable. Je sais pas encore pourquoi, mais je vais en profiter. Et vu que je vole, je vais récupérer ces clés là et ouvrir cette salle là et me dire non, je prends pas, je suis pas sûr que ce soit pertinent dans le cas présent. Ouais, je suis un mec qui réfléchit beaucoup, hein. Je suis pas sûr que ce soit pertinent dans le cas présent. Voilà, Elsa, un cœur rouge, très bien. Mais qui est rouge, mais pas rouge. Ça sert à rien. Si, parce que si j'ai un demi-cœur, je pourrais le remplir. Mais j'ai pas de demi-cœur. Allez, la Red Mom. Allez. Allez. Ça m'a remis invulnérable. Je perds pas de vie, je sais pas pourquoi. Ok. Voilà, comment gruger, je sais pas si vous avez bien vu parce que je l'ai fait en étant rétrovision, mais comment gruger grâce à une strength card et un cœur vide pour avoir tous les cœurs de votre vie et être bien. Tu te mets bien, tu te mets bien. Bon, j'ai trois clés, je vais pas retourner la chercher. Ouah, j'ai cru que ça avait crash. Hop là, merci. Hop là, merci. Oh, c'était de la merde comme ça.
C'était de la merde comme ça. Bon, et bah les amis, vous avez loupé toute la fin de l'épisode parce qu'il n'y avait plus de place sur mon disque dur. En même temps, à l'heure où vous voyez cette vidéo, je suis en vacances. Je prépare 3 semaines de vacances, il y a beaucoup de grosses séries et de gros trucs qui ont été tournés. Donc j'ai dû finir cette run sans vous. C'est assez flippant parce qu'en fait j'avais pris le parti à la fin de cet épisode de parler un peu et de vous raconter des trucs. Et puis au bout d'un moment, je regarde mon compteur de... Enfin, l'endroit où en gros j'ai l'info de savoir si je tourne ou pas. Et je fais putain, ça tourne plus. Et donc très 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 frustrant. Bref, les amis, on est arrivé 12e. Et 12e, c'est bien. Donc je suis plutôt content. En score, on est 332e. Bon, beaucoup moins bien, mais on va s'en contenter. Vous avez loupé le boss. De toute façon, je roulais hein, sur la fin de la run. J'avais juste à avancer et je défonçais tout le monde. Donc c'était pas trop un souci. On a fini en 15 minutes 09. Et donc voilà. Et question que je voulais que je vous ai posée et que j'ai beaucoup trop développé la fois d'avant. Donc là, au moins, je le développerai moins. J'étais en train d'analyser les scores et les points de score et j'aimerais savoir si ça vous intéresse que j'essaie de décortiquer complètement l'analyse du score sur Isaac et qu'on comprenne exactement le fonctionnement du scoring et que je vous fasse une petite vidéo dédiée à ça, genre bon, qui sera vraiment une vidéo voilà, que j'ai envie de bien travailler, mais qui sera une vidéo pour un public de niche parce que le calcul des scores sur Isaac, qui se rapporte à la Daily Run ou aux parties normales mais qui va être intéressante sur la Daily Run, c'est pas vital et il y a plein de gens qui doivent connaître un minimum les trucs, mais je suis sûr qu'il y a pas mal de trucs à découvrir mathématiquement parlant. Donc voilà, donc si ça vous tente, vous me le dites et on se laisse, on se dit à la prochaine. Tenez-moi au courant dans les commentaires. C'était Unstable Bleachers. Oh yeah. Allez, bye bye.